Atleta, ya. Là, comme tantôt, je me présente comme je n'ai pas beaucoup, beaucoup d'expérience en tant qu'enseignant. C'est pour cela j'aimerais bien qu'on parle ensemble et puis on va discuter ensemble qu'est-ce qu'on va faire, de quelle façon ça va être mieux pour nous. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, vous avez des, vous avez une idée, vous pouvez nous noter et ou bien envoyer par texto, par le chat. Vous m'entendez, vous? Oui, allô? Oui, on peut vous entendre. OK. Avant, vous étiez avec qui? Le professeur Zhang. Oh, OK. Mais avant, nous sommes étudiés le livre. Il a le livre. Oh, il a un livre? Mm-hmm. OK. C'est franchement, je suis vraiment désolé. Je ne suis pas tout à fait prêt. Comme là, j'ai parlé avec M. Li. Je dis OK, ce soir, je ne peux pas... donner un cours, c'est tout simplement, j'ai mon travail, je n'ai pas tout à fait terminé la période. Et puis, c'est juste pour vous connaître, pour me connaître. Et après, j'aimerais bien comme un assistant pour l'instant. Puis, on va prendre la place de chacun graduellement. Mais j'aimerais bien savoir de quelle façon ça vous convient mieux pour continuer de faire des progrès. C'est pour cela que j'ai besoin de votre idée, votre commentaire. C'est que tout le monde peut envoyer soit par le WeChat, pas par WeChat, soit par le chat, ou bien soit on peut discuter par WeChat. Le livre, avez-vous la copie de ce livre? Oui, c'est sur le journal, le livre électronique. Électronique? Oui. OK. Mais dans le groupe, je pense que tout le monde, il a le livre, oui. Tout le monde en a? Oui, parce que c'est maintenant, c'est, je pense que déjà étudié le 9 ou 10. OK, le chapitre 9 ou 10? La leçon, j'ai oublié. Hein? Je pense que c'est le 10, la leçon, c'est le grammaire. Oh, OK, quelqu'un a écrit, c'est... La grammaire en dialogue, niveau intermédiaire. OK. Grammaire en dialogue, niveau intermédiaire. On a fini le 13, je vous oublie. OK. Non, ce n'est pas grave. De toute façon, comme moi, je n'ai pas de matière, je n'ai rien franchement devant moi. J'ai juste l'ordinateur. Je vais demander à monsieur... Je me suis dit pour le matière.
Ou bien si je vais vous donner mon email. Si vous pouvez m'envoyer par email, ça va être ou bien un lien. Vous pouvez le trouver dans notre groupe. Il y a un liaison dans notre groupe. La Jasmine a déjà envoyé le livre sur le WeChat. OK. Ouais, mais je pense que vous pouvez regarder maintenant c'est sur le WeChat. Jasmine aurait déjà envoyé. Parfait. Je vais le télécharger. Si il y a le livre, peut-être pour vous, c'est pour nous, c'est plus facile parce que si comme le lit, le test, si comme peut-être qu'il ne comprend pas, le professeur toujours expliquer le grammaire, le... C'est ça, je suis en train de télécharger là. Ok, ouais, je l'ai. Ça, c'est à l'international, c'est à l'international. Chapitre 13, 14. Et c'est 14 maintenant, le verbe avec ou sans préposition. Est-ce que c'est le 14, les verbes avec ou sans préposition, plus infinitif? C'est oui, ça. C'est ça. OK.
Là, tu dois appuyer sur le bouton. Non, on ne peut pas le faire. Florence, je n'y comprends rien. Je ne sais pas me servir de ce téléphone. Damien, tu peux m'apprendre à me servir de trucs. Là, comme aujourd'hui, comme tout à l'heure, je voulais expliquer, je ne suis pas. En fait, nous, on n'a pas 100 ans de parler d'aujourd'hui. Je viens de l'avoir. Je vais faire la préparation pour la semaine prochaine et je vais vous laisser à partir. Mais si vous avez des questions ou bien si vous avez des sujets à discuter, puis là, je suis toujours. Là, vous avez toujours mon courriel, je suis toujours ouvert. Et puis, qu'on va discuter la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça vous convient ou non, là, ce soir, de quitter plus tôt. C'est bien. Oui, mais c'est comme la prochaine cours, c'est comme vous dites, la prochaine cours, nous étudions le livre, oui. Oui, c'est ça. On va commencer, on va suivre le chapitre 14. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Et de faire n'importe quoi là, et je vais étudier tout d'abord, je vais faire je vais lire aussi avant de vous commencer avec vous. Ensuite on va discuter là, la semaine prochaine. Oh, c'est très bien. Pour bien utiliser cette livre, nous pouvons télécharger les matériaux sonores sur Mais il fait. Oui, Je l'ai dit, OK. il y a les matériaux sonores aussi. On peut entendre les dialogues au début et après on continue avec les cours. D'accord. Là, je vois ici, il y a le. Il y a. Est-ce que c'est les deux fichiers sont les mêmes? Il y a les matériaux avec ce livre, mais tout à l'heure, Jasmine vous a envoyé les livres lui-même, mais pas de matériaux sonores. Vous pouvez le trouver sur un site qui s'appelle Meilleur. OK. Ben là, je vois ici en bas, il y a le lien pour écouter. Oui, OK. écoutez le dialogue au début et après, avant les Monsieur Zhang, quand il a donné les cours, on toujours commencé par écouter et après les deux étudiants faire le dialogue. OK. Par commencer par écouter le petit vidéo. Oui, bah, écouter les dialogues et OK. après, 12 étudiants parlent le dialogue OK. et après, le professeur nous explique phrase par phrase. Quand il y a les choses à marquer spéciales, il nous a donné l'expression spéciale. OK. Parfait. J'ai les deux matériaux. Je pense que je vais sauvegarder. Et, on s'en parlera la prochaine fois. Vraiment désolé pour tout le monde. Et puis, comme moi, franchement, je ne suis pas tout à fait prêt pour aujourd'hui. Mais je vous garantis pour la semaine prochaine qu'on commence. Je vais bien préparer. On va commencer
prochainement. Mm. 王老师的话，您能不能用这个国语的话再给大家说一遍？因为有一些人的话，这个法语的程度不一样的。 OK， 不好意思啊，各位，因为今天呢，由时间比较仓促，本来呢没有说是直接讲课，所以呢我就没有任何材料，所以有点耽误大家的时间。但是呢，我现在有这些材料之后呢，我先做一个准备，下周的时候我们再开始。 然后大家如果有什么想法或者有什么想了解的或者是想探讨的，你们可以给我写电子邮件啊，或者是给我这个在这个 WeChat 里边留言都可以。这个我看刚才这个朱莉亚把这个我们原来学的那个教材的话，放到这个 WeChat 的这个聊天室了。对，已经放了。对。 我已经下载了，但是我看这上面还有一个 dialogue 这个东西，我也正在想。老师这个法语说的特别好听。啊？老师说的你的法语特别好听，我觉得这个 dialogue 就是说有那个录音也好，没有你给我们读也好听。 OK OK， 不好意思， OK， 不好意思，实在不好意思。<笑>那个王老师，我认为是这样，你征求一下大家的意见，来看看原来这个张老师是怎么上的呢？对，是必要的。但是的话呢，这个法语课您怎么教，最好就按照您的这个想法或者这个方式教都可以了。 我是想让大家就是大家商讨一下，我们怎么样教，怎么样想学哪一些内容，最主要是比如说注重于语法呀、发音呐、啊，或者注重于哪一些，大家更倾向于哪一种？因为这今天说老实话就没有这些，没有提前做准备嘛，所以猛的一上来让我讲，那我可能我们聊天可以。 用法语聊聊天啊，干什么的可以，但是你说没有个材料，我们就是闲聊的话呢，可能就有点耽搁大家的时间。您可以参看一下，就是这个张老师讲的这个教材，对，就是这个 dialogue on grammar， 对，你也可以选其他的教材，比如说你认为哪一个教材比较好的话，你也可以选择其他的教材。我们大家一起探讨呗，然后。 找准一个之后呢，我们就按这个步骤就进行下去就行了。这个教材就挺好的了。这我看了挺不错，我现在因为我看它上面这个对话呀什么的都挺不错。但是以前他，那谁，王老师到了是吧？你好。 我打你电话打你半天找不着你，我说你今天有失踪了，我又找不着你了，谁说你？你在课堂呢？我给我们讲半天了。我给你是这样啊，我给大家介绍一下啊，王老师这个王海广啊，这个王海广这个老师呢，他这个我讲一下，就是他是我们中心。 也是在15年，大选当中，这个王这个海广老师呢，给我们中心也是我们中心创始人嘛，很简单，就是他在中心成立之前，在之前的大选，在15年的大选当中，他也是身陷士卒啊，就去给那个候选人呢，国会议员候选人，我们在他的选区去到处到啊，去那时候都是很热的节去做这些工作。 后来成立中心呢，他是我们中心，我们十几个发起人之一，也是我们和南非燕呢，是都是那时候我们一起走过了这么多。
但是这个这两年呢，他自己业务也比他自己业务量比较忙，反正有时候呢也经常过问一下中心情况，但是他呢，这个所谓中心的活动呢，可能就是参加的比较少。目前呢，就是我们现在的这个学习，语言正好张老师不是也有事嘛，叫我给这个海广老师一讲以后呢，他就说没问题，一定要把这个，尽管他也没有当过老师。他的情况是这样，就是他在法国留学了，在法国留学了，这个在法国留学，然后几年吧，是四年，然后15年是16年你来，到蒙特利尔了，15年是吧？不是05年吧？是吧？零六年啊，06年到现在啊。现在呢主要就是从事那个保险啊，他那个保险，他那公司名字我也叫不了什么啊，叫出来也是个大公司吧，就做保险业务是这样。比较忙，真的很忙，他现在这真是百忙当中抽出来时间。我是几7点以前吧，7点钟的时候我给他打个电话，忙了他可能没有接，就我刚刚有一个紧急一个事在处理一个事，就是上来有点晚了啊，这样。我给大致情况，就是我把这个谁海广老师的情况给大家介绍一下，是这个情况。反正你今天是这样，今天呢，因为他作为这个呢，他你像我们那个，我当时给海广老师讲了，就是你像我们那个英语一群呐、啊，英语一群那个谁向老师那个，我今天跟向老师也沟通了，这个他这个呢，向老师当初当时来讲的时候，他去年3月份来讲的时候呢。这个他当时也是说，哎呀，我没有教过呀，怎么回事？但是他讲的还真的，我学英语的都知道，他真的能讲出来，很多大学教授都讲出来的东西。我认为是真正是我们要教的法语也好，英语也好，是实战的这东西。这个来说，真的有些真的专业的那个未必能讲出那个效果。所以我认为，所以说这边呢就是。海广老师，他也想给大家沟通一下，今天呢就是这个就是沟通交流了，大家都可以讲讲，因为你们，张老师也讲过，你们有什么要求，甚至说，我们再创一个模式出来，海广老师就是结合着，就是用你的经验去教大家，去这样，真的不要呀，我要是当老师的什么弄了，我怎么去把这老师当老师？不要讲这些，就是说，根据大家的一起讨论，根据大家的这个需求，结合着我们的实际情况。就是把这个，反正你的程度，中级是当中就是教中级是没问题的，就是以你那种这个就结合着大家的一些想法，你总要看就这样走下去，看怎么走合适，这个我这大致方面我给个这样个建议，我说完了，谁还有你谁。待会你讲吧。谢谢李主席啊，那个我刚才跟大家有说，因为这个第一次嘛比较这个没有准备好，所以呢我们那个但是李主席这么一说呢，我觉得又开阔了一下思路，我们大家呢可以还是那个手机退了，退了不好用。但是我们探讨一下，就是说以哪一种方式，像我看大家都在里边写的可能注重于口语和听力的要求比较高一些，那我们就尝试着吧，我们先试一试，就是不行的地方或者不适合的地方我们再进行调整，因为大家都是对我来讲可能就是可能说呀或者是交流啊可能比较多一些，但是当老师教学这个经验上可能就欠缺很多，所以如果咱们课堂里边有大家有曾经做过老师或者对这老师这一行有过了解的，我们你也可以直接把这个你觉得需要注意的地方写出来，或者是告诉或者是直接告诉。这些都可以。所以说呢，我今天呢，我说跟那个向光旭老师，我跟他沟通，就是在英语一群的这个向光旭老师沟通的时候，那是英语一群呢，现在500人根本都进不去，好长时间都进不去人，好容易空着个名额了，都不知道谁都跑进去了。所以说的那个他今天讲的，他自己都感觉，他说真的，我现在。
感觉这个我这个课还真的很受欢迎。我说不是，我说肯定你是受欢迎。你这边呢，你就是这样教着将近一年时间了，你自己也总结了一些东西，该怎么教，该怎么走这种根据大家的建议去总结出来了。我说真的，你这样的，你没有以前没教过，你现在教出来的东西真的比那专业的这个，比那些老师啊，就甚至大学教授去教的讲的东西，我感觉你讲大家都能都很受用。他自己也认可这一点，他说确确实实 是这样。你像忙吧，你像这个那个向老师，这个我叫他叫老兄们，他本身他是地产经济，他是天天还去拍电影，他还拍电影，他还是法庭翻译。这周下周他反正他一周现在一周两次两节课，每周都是两节课。挺好，我刚才听了一个尾巴，就是刚才那个讲课，但是那个不知道李主席你说的是刚才那个八点钟之前那个啥？不是，他是早上，他是周一和周，他是在微信群，他不在直播间。八点钟呢是。Okay.八点钟是他是廖涛教家园，他是教他是英语四群的，我向老师一群的，四群的是四群是等于是零基础的，零基础现在两个，他学习是四个群，一二三四，一群是程度最高的，二群是稍微就是算是偏中一点，是这样，下边的那两个都是零基础的，那是学习群，你像这个你像这个曼丽大姐。曼丽大姐呢，这个老师呢，她是英语角，我们还有英语角的初级班，法语也有英语，也有初级班、中级班，就她这英语角的中级班的老师，今天上午讲了两个小时课，她每周就是上午讲两个小时。这曼丽大姐，她是在渥太华的，从渥太华过来，在渥太华的，来加拿大47年了。嗯，好的呢。我这大体上记了一下，我那个啥来准备一下。还是大家多提，这是还有时间嘛？大家有什么就讲讲，看怎么去给这个给海光老师还怎么去，怎么去提更好的一些建议。老师也可以有自己的方式。大家主要是还是注重那个听力和口语，这个可能是因为我们生活在这，可能是比较需要。老师可以选择自己的方式也挺好，或者照着这个课也非常好，都挺好的。我们一点一点摸索，一点一点。对对对对对，就是怎么都行，就是说我们重要的就是说能够开口说话，能听得懂。可以的。因为我就咱们说的时候，我就在找这个刚才咱发过来的每日听力这个 APP， 我可以先听一下。那个曼丽大姐，你给谁海光老师，你提个建议。你这边你也是，你法语来说你也是学生啊，你看用你的经验来说，你这个你给。你也提出你的想法。不敢当，我是也是没有教学经验啊，只是我相信王老师他刚才的法语非常准确，而且很流利，所以他不难不困难。我相信学生都很喜欢，因为那个听的跟讲的跟看的有些不一样。假如说多听那个流利的法语是非常好的，因为可以改正我们自己听了了，可以改正我们的发音，法语的发音。因为我不懂，因为 Quebec 的法语跟法国的法语有些不一样，我。觉得本人觉得是法语，法国的法语应该是比较标准一点。我相信刚才王老师说他在法国留学应该是
很好的法语，所以发音都是非常准确的。这个是好的事。假如说他多跟他们跟我们讲，多读点书，多听，改正我们的法语的发音也是非常好的事情。嗯，谢谢王老师。多谢啊，多谢您宝贵的意见。不客气，我也不是会教学的，我是也是摸索，慢慢摸索就可以了。好的，我向您多学习哈。不要这样讲，不要这样讲，不敢当。那个王老师，我想说一下，行吗？您请讲。哎，你好，你好。那个是这样的，就是我觉得这个教材呢还是可以的，就是说我们可以往下进行，或者是哪怕再从回来开始都行，因为呢我们从来没有做过练习，也没有答案，所以说就即便自己做了练习呢，因为没有答案也不知道正确与否。另外我认为也不一定说一定要追逐那个速度哈，就说一定每次课呢就要一课，因为它内容比较多嘛，可能一次课呢不一定能做得完。但是呢我就觉得应该是比较扎扎实实的学才是对的哈。因为练习的过程呢 也是自我锻炼的一个过程，无论是从语法还是说发音，就是说在做练习的时候您还能够纠正一下哈，就是发音呢、啊、包括这个语法做的是否正确与否。因为他这个后面那个答那个练习呢，我至少我不知道有没有答案哈，但是我就觉得我是没找到答案。如果想做的话呢，就是也不知道是对与错，我这就是自己的想法。嗯，我也同意。这个书本身带答案吗？我不知道哈，因为没往后翻过那个电子版文件，挺多的，没往后翻，我不知道。所以说，我觉得这个东西咱们毕竟大家都是属于这种漫长的过程，不是为了考试，也不是为了什么，反正就是慢慢来。哎，不要一次一次速度哈，就是我一堂一课，一课一次一课，说哎不行，咱们有时间了，下次。我就觉得还是比较扎扎实实的还比较好，因为现在到中级阶段了嘛，有些语法还是值得去玩味或者值得去深究的，那个后面的练习应该也都是不错的。同意。我们就是如果这样的话，我们我觉得这样，我们每节课安排个10分钟15分钟左右去做练习，那样是不是会可能会好一些？或者是时间再长一些？这书后边是有答案的。我刚翻了一下，最后边都有答案。嗯。有答案，对，我也没看过，我刚翻一下有答案的。嗯，正常情况来讲他们一般他们的个教材上面都会有课题的答案，有课题的他都会有答案在后边，所以有答案他们是没有说专门再出一本答案集一样的啊。我在法国学习这个法语的经验上来讲是这样的。还有咱们大家还有什么样的想法？我认为刚才那个赵老师说的是对的，就是说不要图一速度，而是这个学一课我们就掌握一课，对，这样恐怕要好一些。 OK， 对，哪管这个一节就是这个一个课我们分两个或者三个这个学时学把它学懂了学透了，这样恐怕好一些。
咱们有没有可能大家就是把那个第十四章的每人念上，比如说叫 Florence 这一个，每个人念一下，大体上我听一下大家的这个不同的 level， 不同的 niveau。 老师说是第十四课吗？对，第十四课第五十五页。对，那我们读的可能都不是很好，个人都读一就读前面那两句就行了，就 Florence je ne comprends rien je ne sais pas me servir de ce téléphone， 就这一句，就这两行，就先读第一句哈，我先读一下的，好吧？Je ne comprends rien， je ne sais pas me servir de ce téléphone demain。 Tu peux m'apprendre à me servir de ce truc？ 很好啊。但是不流利，就不知道对不对。挺好的，很好。谢谢。语言嘛，就是一个多练习，其实就是一个多练习的过程。然后，咱们下一位，我来念第二句吧。都念第一句就行了。啊，都念第一句啊。Okay。 对对对。Je n'y comprends rien. Je ne sais pas me servir de ce téléphone. Damien, tu peux m'apprendre à me servir de ce truc？ 很好，很好。下一位呢？是我们是自己报名呢，还是点名呢？那我就点名。我看金燕啊，金燕好像有问题是吧？Bonjour monsieur, bonsoir monsieur, est-ce que vous pouvez partager l'écran? Parce que je ne vois pas le texte. OK, je vais partager l'écran.Si tout le monde le voit, là. Oui. Merci. Je veux lire la première phrase. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas me servir de ce téléphone. Demain, tu peux m'apprendre aà me servir de ce truc, ce truc. 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 挺好，挺好。Merci. 咱们我还有下一位哪一个？咱们 Cindy 有讲过对吧？对。Coco 在吗？读第一句吗？对，咱们都读第一句。OK， Je ne comprends rien, je ne sais pas me servir de ce téléphone. Demain.Tu peux me apprendre à me servir de cette tuée. OK. Merci. Bravo. 下一个我看，张菊。Ah oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Enchanté. Comment vous appelez?Comment ça va? Ça va, ça va. OK. Donc, vous êtes le nouveau professeur pour nous? J'aimerais bien être. OK. Mais maintenant,
vous êtes faire l'essayer sur comment pour nous continuer les cours ou autre ben, chose? Là, pour vous connaître, et, chacun à son niveau, là, on va s'adapter à notre niveau. Ah, j'ai besoin de votre aide juste pour dire le premier, la première phrase. Ok, pour savoir de... quelqu'un, c'est la prononciation, comment c'est ça? Ouais. Ok, ok. Mais le président Lee nous dit qu'on a besoin de discuter un peu comment faire les cours, c'est mieux, non? Oui, on a discuté. Là, on est rendu à connaître chacun de se connaître. Et moi, j'aimerais bien savoir à quel ben, là, chacun a sa point fort, à sa point faible. Et là, on commence à dire la première phrase. Okay. D'accord. La page 55. OK. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas me servir de ce téléphone demain, non? Damien, tu peux m'apprendre à me servir de ce truc? Parfait. Merci. Merci. Ensuite, il y a Madame Zhao. OK, merci. Florence, je n'y comprends rien. Je ne sais pas me servir de ce téléphone, Damien. Tu peux m'apprendre à me servir de ce truc? Oui, merci, c'est très bien. Et... Merci. Fang, c'est monsieur ou madame? C'est moi. OK. Hein? Pouvez-vous... Bonjour, monsieur. Enchanté de vous connaître. Moi aussi, merci. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas me servir de ce téléphone. Demain, tu peux m'apprendre à me servir de ce truc? De ce truc? OK, parfait. Ensuite, c'est Madame Didi. Oh oui. S'il vous plaît. Lily? Oui? Oui, yeah. Oui. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas me servir de ce téléphone. Damien, tu peux m'apprendre à me servir de ce truc. OK, parfait. Merci. L'autre qui est avec L-Y-Q, ça c'est un monsieur ou une dame? Qui? L, parce que là je ne vois pas le nom, là c'est juste comme, noté comme L-Y-Q, comme Québec là. Non, OK, il n'est pas là, probablement. Ça, c'est monsieur ou madame Lin? Non plus. Et madame Charline? Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est le cours ou bien on va discuter de quelque chose comme ça? C'est juste pour se connaître. Oh, OK. Mais cette fois-ci, c'est pour seulement pour lire? Oui, s'il vous plaît. OK. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas me servir ce téléphone. Damien, tu peux m'apprendre à me servir de ce truc. Merci. Merci. Là, il y a qui? Il y a monsieur iPad 5. Désolé, là. Ou bien madame iPad 5.
C'est là, non? Non, ok. Il y a l'autre iPhone. Non plus. Et monsieur, madame J. Non. Là, il y a deux madame Julia. Julia, non plus. Ok. Bonsoir, merci. Ouais. Désolé, là. Je m'appelle Julia. Ok, parfait, enchanté. Je ne comprends rien, je ne sais pas ma servir de ce téléphone, Damien, tu peux m'apprendre à me servir de ce truc. Parfait, merci. Ensuite, ça c'est monsieur ou madame Megal. Non. Et monsieur ou madame Sissi. Non plus. Monsieur ou madame. Non. Oui. Bonsoir. Oui. Moi, je suis ici. Ok. Pardon. Je m'appelle Meiko ici. Je suis okay. Ici. Pouvez-vous dire enchanté. Enchanté. Monsieur le professeur, enchanté. Enchanté. Ouais, merci. Pouvez-vous lire la première phrase? Ah, bien sûr. Merci. Essayez. D'accord. Florence, je n'y comprends rien. Je ne sais pas me servir de ce téléphone. Damien, tu peux m'apprendre à me servir de ce truc. Merci. Merci bien. Et ensuite, ok, l'autre, c'est qui tout à l'heure? C'est moi. Maintenant, je vais essayer. Ok. Bonsoir, professeur. Oui, merci, bonsoir. Oui, je ne comprends rien, je ne sais pas me servir de ce téléphone. Damien, tu peux m'apprendre à me servir de ce truc. Parfait, merci. De rien. Attendez, je vais voir. Il y a l'autre monsieur ou madame. C'est Honor 9. H9. N'est pas là. Ou l'autre monsieur ou madame Montréal. Ok. Non plus. Ok. C'est parfait. On est. Là, j'ai pris la nôtre en fait. Qu'on est presque fini. Et puis là, le temps est terminé. Si de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer le message ou par email ou bien par WeChat. Ça me fait plaisir de vous connaître et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.